J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc en plein air. Je suis donc chez mes parents, je suis partie récupérer donc l'imprimante. Donc là, on commence un weekly vlog. On est samedi le 20 janvier. Donc je suis allée récupérer l'imprimante, déposer encore les dernières décos donc, de Noël qu'on avait. Donc comme ça, demain, je vais pouvoir commencer les prints, bien tester. Hier, j'ai reçu donc en avance la table de base que je devais recevoir aujourd'hui de couture. Donc je vous la montrerai en rentrant. Elle est franchement génialissime. Bon, j'ai quand même passé 2 heures à le faire et il y a la charnière qui se barre pour la porte. Donc j'ai fait un micmac avec une autre vis. Donc je vais vous montrer tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est donc aller promener le toutou. Donc je vais vous embarquer avec moi. Et après, bon, je vous montrerai au fur et à mesure donc le programme de la journée. Ah, oh, 12. 2, 3, 4, 5, 6. C'est chanté. Il y en a 4, 30. Rendez-vous rue de la Paix. Et lunettes. C'est combien? 40. De chez. Bah, même 30 000. Non. Punaise. T'es arrivé encore de 10 000, toi? Non, mais. Elles sont bien mélangées, les cartes. Il y a personne qui passe chez moi, j'ai pas noté. Voilà, trop hâte du coup de la mettre juste là. Et voilà, madame en place. Bon, du coup, je ferai demain toute la l'organisation, enfin la mettre, etc. Parce que bon, là, il est presque 21h. Donc, je vous avoue, j'ai pas trop envie de me le faire maintenant. Mais trop hâte. Du coup, en plus, je vais pouvoir scanner, je pense. Ouais. Chose que je ne pouvais pas faire du coup avec l'autre avant. Parce que l'autre, du coup, je l'ai mise juste là. Parce que pour les couleurs, c'est un enfer. Donc trop contente. Du coup, pour résumer aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir, je pense que la vidéo va être quand même être assez courte. On est donc parti chez mes parents pour récupérer en fait tout simplement l'imprimante. Puisque ma mère avait des bons donc pour la payer un peu moins cher. Bon, j'ai eu 3 euros de réduction. Et je l'ai payé du coup 186 euros, 187 euros. Sachant que de base, je partais donc sur la Epson... EcoTank, enfin donc ET2856, qui vaut quand même 300 euros. Et en allant me renseigner chez un gars boulanger, je lui ai demandé la différence justement entre la 2826 et la 2856. En fait, c'est juste exactement la même chose, juste la 56 fait recto-verso et a. Comment ça s'appelle, un bloc d'encre en fait noir beaucoup plus grand. Bon, moi je m'en fiche le recto verso, enfin le, ouais, je vais pas faire des deux côtés en fait pour les illustrations. Donc, en fait celle-là ça m'allait très bien et surtout elle est 100 euros de moins quand même. Donc je suis partie sur celle-là, j'ai hâte de tester. Normalement c'est une bonne qualité aussi, il m'a confirmé c'était exactement la même qualité que l'autre, la 56. Je suis juste dégoûtée puisque c'était donc marqué sur le site ou même dans le magasin quand je suis allée voir qu'il n'y avait pas d'encre. Fourni avec. Regardez ce qu'il y a là. Du coup, j'en ai acheté sur Amazon. Bon, écoutez, j'aurai 2 encres. Enfin, 2 recharges, du coup. Donc, aussi, comme vous pouvez peut-être le voir ici, voilà, le meuble donc que j'ai monté hier. Après, donc, pour la journée, donc on est allé récupérer ça. Bon, on a mangé, classico. On est allé promener donc après le chien qu'on a depuis peut-être un mois du coup. Et après on a fait une bonne partie de Monopoly. Je me suis fait rouler dessus puisque, bon spoiler, c'est mon père qui a gagné. Hein. Puisque j'étais la première à avoir les... Enfin si vous connaissez en fait les 3 slots, donc les 3 cartes en fait de la même couleur. Je pouvais construire mais j'avais pas beaucoup d'argent. Là était le problème, pourtant j'avais le plus de cartes. J'étais aussi celle qui tombait le plus souvent sur les autres. Voilà. Et il s'est avéré que mon père, je suis tombée 2 fois d'affilée dessus, mais genre vraiment, j'ai fait... je crois que je suis tombée à la place, enfin rue Mozart, quelque chose comme ça, et après je suis tombée sur Pigalle.
comment dire, que j'étais ruinée, il avait mis des hôtels juste avant. Donc voilà, 4. En plus, c'était en francs. On a fait en francs. Donc moi, de base, je partais donc avec le Monopoly Pokémon. Bon, c'est pas la génération de mes parents, mais écoutez, c'est tout ce que j'avais, du moins. Et peut-être qu'un jour, je prendrai celui de Bretagne. J'ai vu qu'il était disponible. Donc, je pense que je prendrai possiblement le mois prochain. La triate, donc demain, ça va être simple. Ça va être continuer les dessins, préparer forcément l'imprimante. Il faut que je mette en page aussi les illustrations, parce que j'aimerais en faire 4 par page, vu qu'elles seront en A6. Et voir comment ça se passe en même temps pour les stickers. Puisque de toute façon, j'ai reçu donc tout ce qui était les pages qui vont me servir pour les impressions. Donc, hâte de tester quand même. Je croise les doigts. Bien la paramétrer, continuer des illustrations, parce que là j'ai juste qu'une envie, c'est me poser. Live art potentiellement, du coup, vu que j'ai cette table là. J'aimerais bien aussi paramétrer donc ma caméra, parce que là en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai une webcam, mais elle est pas d'une super qualité. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai du chanvre. Elle est pas non plus d'une super qualité si je veux mettre en gros plan. Et je pense que je vais mettre ma caméra vlog, mais soit devant, soit au-dessus, et garder celle-là en petite vignette webcam. Mais il faut que je branche, il faut que je vois au niveau des logiciels, puisque demain, j'aimerais pouvoir faire donc le live que je n'ai pas pu faire hier, puisque j'avais une très grosse migraine. Et donc avancer sur les projets, donc les coutures, les lingettes démaquillantes, et, pour le printemps, faire la collection printemps. Donc faut que je m'attelle à tout ça demain. Donc vous, dans quelques secondes, vous allez donc passer à dimanche. J'espère déjà que cette première journée vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter, vous abonner. Le truc habituel, quoi. Ça fait toujours super plaisir, surtout que cette année, ça serait bien qu'on atteigne au moins les 500, voire au mieux les 1000. On sait jamais, on pousse un peu le bouchon. Donc bon, moi je vous dis à demain. Hey, du coup, la vilaine que je suis a complètement oublié de filmer aujourd'hui. Après, c'était rien d'intéressant. Grosso modo, j'ai passé ma matinée du coup à configurer donc l'imprimante. Vous m'excuserez, j'ai une tête complètement déglinguée. Il est 22h23. Bon, je vous avoue, j'allais me foutre devant une vidéo, puis boum. Donc, j'ai complètement paramétré madame. J'ai un petit souci d'ailleurs avec l'impression, puisque je pense que le papier en fait est trop épais. Genre celui-là, il est à 300 grammes et en fait il plante. Enfin, l'imprimante n'arrive pas à le faire passer. Donc à un moment j'ai forcé pour que ça parte. C'est bon. Disons que le résultat, voilà. Je n'ai que la moitié en fait, la moitié qui est passée. Et les couleurs ne sont pas rendues super bien, à contrario du coup de... Parce qu'évidemment j'ai testé avec la feuille stickers et j'ai le sweat qui part, je me les caille. Donc voilà, à contrario de celui-là sur feuille stickers. Donc bonne nouvelle, je pourrais faire des planches de stickers du coup, au moins ça il n'y a pas de souci. Mais je pense que demain il faudra que j'aille voir pour un autre papier. Parce que je pense que en même temps j'ai pu voir mat et brillant. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez entre mat et brillant. Mais je pense que je vais partir sur du brillant. Bon, pas papier stickers. Oula. Donc pas papier stickers parce que c'est beaucoup trop fin. Par exemple, vous voyez, bon, j'ai pas envie que les formats, enfin ça va être un peu style carte postale. J'ai pas envie que ça soit comme ça. Mais enfin aussi fluide. Mais du coup, j'irai voir avec des conseillers pour trouver des papiers glacés. Peut-être les papiers photos. En vrai, ce sera peut-être plus solide. Pourquoi pas, écoutez, avoir en glacé, après avoir le prévu. Donc, vite fait, regardez donc, sur Internet des vidéos. Et bon, là, j'ai éteint la tablette. N'hésitez pas justement à me suivre sur Threads, parce que là notamment j'ai demandé à me donner, ou personne en fait, de me donner 3 emojis qui pour eux va faire une illustration ou qui leur rappelle un souvenir, etc. Et à partir de là, moi je crée des illustrations.
Moi, comme ça, ça me fait une base. Et franchement, ça marche plutôt bien. Merci déjà à ceux qui ont participé, si jamais vous passez par là. Et oui, il y a pas mal d'illustrations en cours. Demain, je fais un live art. Donc là où on va continuer les dessins. Et je crois que un ou deux jours après, de toute façon dans la semaine, il y a un deuxième live art où là par contre on va partir sur tout ce qui est la couture, les lingettes démaquillantes, etc. Donc très hâte de continuer tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait après aujourd'hui? En soi, manger, après j'ai fait un peu repos, je voulais jouer à FF14, finalement je n'y ai même pas joué. Et ouais, en soi, ouais, si après je me suis levée tard pour le coup, il devait être 9h30, quelque chose comme ça, donc forcément le temps de configurer l'imprimante, il devait être 11h, 11h20, le temps de manger, me préparer, machin. Là il y a pas mal de petites choses qui se font. Il y a moyen que demain je filme, mais alors pas pour cette vidéo, parce que du coup je pense qu'elle va se terminer là. Sur une journée dans ma vie, ça sera un short, enfin dans ma vie, pas se calmer, mais un peu les backstage du coup d'influenceurs, etc. Influenceurs. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les prochaines vidéos, parce qu'il y a vraiment de gros concepts qui approchent, et bon, ça serait dommage de les louper quand même. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que il y a eu d'autres choses? Bon, je me suis acheté une orchidée, voilà. Bravo. Et après, en soi, non, faudrait que je reprenne mon carnet, mais ça, je pense que je le ferai demain. Sur, parce qu'en fait, je prévoyais tous mes jours, enfin, du moins toute la semaine. Et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, j'avoue. Je suis assez en mode OneDrive. Enfin, il faudrait que je tourne une vidéo en plus de ça pour mercredi, pour la chaîne secondaire, là, sur les Sims. Mais je vous avoue que là, j'ai pas la motivation. Peut-être que je l'aurai dans la semaine, on sait jamais. Ça serait bien avant mercredi quand même que je puisse faire le montage. Et j'ai très hâte de recevoir donc deux commandes, puisqu'il y aura deux hauls, petit spoiler, donc d'achat. Un pour la boutique et un complètement vêtements, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est la première fois que j'achète des vêtements là-dessus. Donc je ne vous spoil pas, j'en ai déjà fait de toute façon sur la chaîne. Donc si cette micro-vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. C'est vrai que j'ai perdu le pli de filmer comme ça, de faire des sortes de vlogs. J'avoue que... bon... Je suis plus habituée facecam ou les streams, et là c'est vrai que les vlogs j'ai complètement zappé. Donc bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle sera très courte, écoutez, hein. Mais bon, donc moi je vous dis bye bye.